Deux, trois, go. Bonjour, je me présente, je m'appelle Christophe Condello et j'écris de la poésie depuis plusieurs années maintenant. J'anime aussi un blog poétique qui porte mon nom, je vous incite à aller le voir. Et je suis directeur littéraire de la collection Magma Poésie chez Pierre Turcotte Éditeur. Donc en parlant de Pierre Turcotte, je le remercie de cette invitation et je vais vous lire quelques extraits aujourd'hui de mon recueil Entre l'être et l'oubli, publié donc dans cette excellente maison d'édition. Je vais mettre mes yeux. Alors ça va comme suit. Nous sommes venus dans ce pays comme un caillou qui ricoche sur l'eau illuminée d'un lac sous la lune, les yeux ouverts à l'espérance, le souffle inspiré en quête de notre histoire, avant de nous immerger lentement au plus profond du cœur immense de l'autre. Nous sommes venus entendre une parole distincte pour fuir les ombres des ruelles et des âmes, connaître le labyrinthe de ces étendues infinies, sans longitude ni latitude, sans passé, apercevoir enfin le soleil et laisser les vents salins nous attirer. J'enchaîne avec un autre poème. Nous baissons les paupières, des heures libres contemplent ce qui s'approche, un paysage, une couleur inattendue, la possibilité de vivre avec force et vertige. Nous fermons l'œil pour effacer le temps d'avant. Et enfin, ce matin, un peu de lumière s'est posée tout autour de nous. Les mains, timidement, osent l'inclinaison de la bruine sur nos obscurités, murmure un poème. Un lieu clandestin où il serait sur le point d'apparaître. Voilà, Entre l'être et l'oubli chez Pierre Turcotte, éditeur. Merci, à bientôt.